16, le développement psychomoteur. Le développement de la psychomotricité. 16. La psychomotricité a été développée dans les années 1900 par un auteur français, Dupré, pour souligner les relations étroites qui existent entre les acquisitions motrices et le développement intellectuel, cognitif. Il répond à la loi du parallélisme psychologique et notamment psychophysiologique ou loi de concordance des développements psychiques et moteurs dans les premières années de la vie. Dans le développement cognitif, l'intelligence se développe d'abord et avant tout dans l'action et dans l'expérience. Les capacités motrices et perceptives vont jouer un rôle fondamental dans le développement cognitif. En retour, le développement des capacités cognitives va influer sur la capacité des activités motrices. Le développement moteur dépend en partie du développement perceptif. Et dès les premières semaines de la vie, l'enfant peut modifier son tonus postural pour exprimer ses conforts ou ses inconforts. Le langage relationnel est une motivation puissante du développement moteur. Grand 1, les grandes lois du développement psychomoteur. Première loi, l'acquisition d'une fonction va dépendre de l'élaboration des structures anatomiques qui lui sont indispensables. Deuxième loi, la loi de différenciation. Au départ, chez le bébé, la motricité spontanée est une motricité globale, faite de décharges dans tout le corps, qui va s'affiner et se différencier en activités de plus en plus localisées, fines et de plus en plus adaptatives. Troisième loi, la loi de variabilité. Elle rend compte du fait que le rythme de la maturation motrice n'est pas parfaitement uniforme et continu. Elle est en fait faite de progression active, puis de périodes de stagnation, voire de régression, puis de périodes de transformation. L'ordre des acquisitions est identique chez tous les enfants, d'où la notion de stade qui permet de décrire une forme particulière d'organisation psychomotrice caractéristique d'une période donnée de la vie. En ce qui concerne cette maturation, il y a deux lois. 1. La loi céphalo-caudale, énoncée par Caudill. Les muscles de l'axe du corps sont d'autant plus rapidement sous le contrôle volontaire qu'ils sont plus proches de l'extrémité céphalique. Les premiers sont les muscles oculaires, qui vont permettre la poursuite oculaire, puis les muscles du cou et de la nuque, qui vont permettre le maintien de la tête, et enfin ceux du tronc, qui vont permettre la position assise. 2. La loi proximo-distale. Plus les muscles du membre sont proches de l'extrémité céphalique, plus tôt ils sont sous le contrôle volontaire. Le développement psychomoteur dépend pour beaucoup de stimulation du milieu extérieur. On dit que la fonction crée l'organe. Autrement dit, la maturation neuro-anatomique et fonctionnelle va dépendre aussi de l'exercice de cette fonction. Les bébés ont une grosse tête, mais son volume se réduit dans les premières années de la vie. Ceci est dû à l'interconnexion des neurones non connectés en réseau spécialisé. Grand 2, le nouveau-né du point de vue psychomoteur. Du point de vue du tonus musculaire, les membres sont en flexion chez le nouveau-né et présentent une hypertonie physiologique. La tête est tombante car elle est soumise aux lois de la pesanteur. En ce qui concerne la motricité spontanée, on a des mouvements diffus,
anarchique et inadaptée. Au niveau des membres, cette motricité n'est pas symétrique. Et au niveau des membres inférieurs, elle est le plus souvent alternée. De même, la face va être l'objet de pseudo-sourires dus à des décharges électriques que la maman considère souvent comme un sourire qui lui est transmis. Il existe des montages comportementaux, réflexes archaïques, qui sont les premiers montages innés, qui vont répondre aux stimuli de l'environnement. Certains de ces montages ont une finalité. Exemple, l'alimentation avec le réflexe d'orientation de l'enfant vers le sein. Certains réflexes sont des réflexes de protection et d'évitement. Le plus connu est le réflexe de Moreau. Le bébé va réaliser une extension, abduction des membres, puis un embrasement de ces derniers sur la ligne médiane quand il se sent en danger. Exemple, on met un bébé sur un coussin et on frappe le coussin ou on le soulève de façon que la nuque du bébé soit décollée mais que son crâne reste appuyé sur un plan et on le lâche. L'enfant peut aussi soulever ses jambes. Ces réflexes disparaissent vers 6 mois, 7 mois. Il y a aussi un réflexe d'adaptation du tonus postural ou la première ébauche de locomotion. Le bébé droit, debout, sur une table va pédaler. Ce réflexe disparaît rapidement.